L'armée d'Haïti. Moi songe en pile moun dans l'opposition politique là, t'es relé l'armée Jovenel, l'armée pour patate, l'armée pour banane, ti kon gout l'armée. Yo te traité de toute qualité vie bagay. Le c'était Jovenel Moïse en tant que président de la République qui te prend décision pour que li te mette institution ça que malveillant ça nèg grand kinye ça comment relé Aristide te crasé en 1994. Jodi a peuple haïtien. Jodi an nous vinn parler de l'armée d'Haïti. Et nous parlons d'un pile bagay que nous trouvons qui est extrêmement important. Et sa cause, avant que je commence pour mal dire tout ça que je vais dire là, je vais profiter pour me saluer heureusement Jean. Ah oui, on a qui croit dans l'ancien militaire, on a qui toujours gagne un pile ancien militaire à bon côté, on a qui toujours bah, monsieur espoir que, eh ben justement, il a retourné. Vin servir pays, ou bien qu'il y ait un pile là dans le grand monde, mais sauf que expérience, quelque part, vous êtes capable de partager avec l'autre jeune qui a une volonté réelle pour que vous participez dans le mouvement. Haïtien Fremsum, nous pouvons faire parler, oui. Nous pouvons parler qui choye. Je dis nous exactement 18 mars 2023. Ça fait 20 mois et quelques jours depuis que yon kolon moun ki pat d'accord avec Jovenel Moïse, on yon kolon moun ki te wè intérêt politique menacé et que gen de gros avantages ki te konjoen personnellement et que peuple lan pat ka joine Jovenel Moïse vin apal mette le service peuple lan. On groupe nan ki te gen de gros contrats dans l'État ki wè ki yon pral perdre du contrat yo, et mais de fait yon tout met tête yon ensemble, tout secteur protestant, secteur vaudouisant, tout secteur dans le pays ya. Artistique yo bagay etchemay ou bagay artiste adon ki mette tout ensemble ça qui fait travail assassiner caractère ça menacer la vie président ça qui mette tout ensemble cal tourer physiquement évidemment yo exécuter président. Mes amis, nous vivons dans une situation qui est extrêmement compliquée et c'est pour la première fois Haïti rive dans niveau ça. Ne pas gitan vivre 2004 parce que me pas Port-au-Prince. So j'aime tout dire non. Ça va la mine Port-au-Prince. Pas de Port-au-Prince. On a vu avec bon mien, manqué éclairé, avant la mine Port-au-Prince. Ça veut dire que je ne pas être en vivio. Et je pas souhaiter vivre tout. Mais, l'opposition politique, secteur démocratique populaire, ils ont fait vivre toute qualité bagaille. Pendant tant que moi-même, moi, je suis venu au pouvoir. Regardez, je m'observe, vraiment. Je prends le temps. Je comprends. Je dis, je suis content en pile. Je suis content en pile, ça fait un plaisir. Pour moi, il y a une délégation. Il y a plusieurs ministres là-dedans. Dans le gouvernement de facto criminel assassin qui ne représentait pas Ariel Henry. Débarqué effectivement dans la base navale. La médaille Tinouan. Et que Ariel vient demander la médaille support. Président Jomo, nous pas j'oublie ou. Si m'te joue une musique type là, m'ta passer le bonon. Jomo, nous pas j'oublie ou. Jomo, yo pété yeux ou mes yeux nous calé. Si pas me salue au bordeur, samba, bon bagay. Moi songe président Jovenel Moïse et moi quoi que moun sa yo qui tue le président, songe président. Ariel qui ne tue le président, songe président. Nous ne pouvons pas l'appeler le bagage là. Et l'important, pendant que nous avons fait ce virer, nous avons fait ce parcours que nous avons fait là, pour que nous parlons ensemble avec nous, parce que c'est intéressant. En tout cas, je dis nous désolé, hier, je n'ai pas de chance pour que l'émission ait porté l'acteur entre la caille nous, parce que c'était vraiment un gros problème technique que nous avons géré. Mais finalement, tout bagay ok. Nous avons tout neuf, puis rouillé, puis coupé. Nous prenons pas les pays.
nous pral parler changement. Et de fait, nous pral parler avec haïtiens qui prêt pour faire des sacrifices pour pays. Nous pral parler de l'armée d'Haïti. Nous pral parler avec ancien militaire nous yo. Déjà, m'a dit militaire qui t'est démobilisé. Jodi a faut que nous remobiliser. Et son obligation pour qu'elle vienne servir le pays. Haïti en difficulté. C'est petit pays a seulement qui est capable de retirer dans sa qu'elle trouve là. Avant que nous parlions avec un monde qui est ministre dans le gouvernement, ça qui là, nous parlions avec la communauté internationale tout d'abord. Peuple haïtien, gardez bien pour nous. Définitivement, moi-même, bat bravo pour le Premier ministre Canada, Premier ministre Trudeau, l'éclair, l'honnête. Nous faisons bataille là, effectivement, nous comprenons, nous attendons. Monsieur, nous garantissons, monsieur, comprenons ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Bien que quelque part, il y a des coups de main vraiment qui ne sont pas cobayes. Ou du moins, je ne sais pas. Mais en fait, nous sommes capables de dire que le Premier ministre du Canada, qui c'est monsieur Justin Trudeau, monsieur comprenne. Monsieur dit pas de troupes militaires dans le pays d'Haïti. Et c'est plus gros soufflette pour gouvernement de facto, pardon, pour gouvernement de facto assassin criminel qui tue le président Ariel Henry. OK? Gouvernement de facto Ariel Henry, c'est plus gros défaite pour eux. Lorsque on joint 18 ministres assassins criminels volants, mettez tête ensemble pour te signer un document, pour produire une demande d'aide militaire auprès de la communauté internationale. Et bien justement, je dis à nous faire bataille ça. Et la communauté nationale, ouais, que pas de nécessité pour qu'on gagne, définitivement, n'a que obligé de tourner sous la mer que vous avez crasé, sous la mer que vous avez craché sous l'IA, vous avez manqué de gars, vous avez dit que vous avez bagarre de l'IA. Et bien justement, je dis à vous descendre, à mettre à genoux dans le pied la mer, ça, vous avez la mer, ça, quand vous avez le. Encore une fois, Jomo nous pas jambli yo petit garçon. Ou son paysan, ou son gande yo même j'avem, moi et moi en pile, et n'a continué bataille que n'a mené. Ou ban force avec courage. Ou montre nous que, route qu'on t'a fait, ou te sou vrai chimé. Mais de fait, nous même n'a continué bataille là, pour nous arriver jusqu'au bout. Parce que nous et quoi que, si malgré ou pas là, ça qu'on te fait, définitivement, à battre avec criminels, yo, mais définitivement, papa ici, nous capables de voir que c'est une volonté réelle, une volonté manifeste qui te la cap président Jovenel Moïse, de fait, en tant que haïtien, souris mes pays, ou doit fixer position, ou doit prendre ligne que le président Jovenel Moïse t'a pris pour que nous menions pays à bon port. Écoutez, finalement, pas de blanc qui vient dans le pays d'Haïti. Je voulais tout prendre comme ça. Tout la lito, pas de blague à venir. Nous, on dossier Haïti commence à plaider dans les Nations Unies. Les sont dans les Nations Unies. Les tombé dans plusieurs autres pays, y compris les États-Unis, tout là-dedans. Sont dans les États-Unis. Les tombé dans CARICOM. Les tombé dans l'OEA, tout le monde a parlé autour d'Haïti. Toujours dans sa guinée pour avec l'intervention militaire. Bon, je dis à Ariel tout comme ça, Madame Lalim. Si c'est comme Madame Lalim mange pour. Il mange comme ça, il mange comme ça net, oui. Madame Lalim, qui est représentant Bini dans le pays d'Haïti, Madame a fait promotion, le parler, le gonfler gorge, le. Ouais, 20 dans le coup de Gamounza, qui a plaidé en faveur d'une intervention militaire. Mais il ne peut pas parler pour que ça ne pas aider la police nationale d'Haïti à jouer vrai, alors des vrais chats d'assaut, yon hélicoptère de guerre, de combat, qu'on s'en met du lan, et puis pour ne pas frapper gang yo. Pour qu'ils ne pas équipé, normalement, l'armée d'Haïti. Li pas pour ça parce que l'armée d'Haïti pas en faveur, c'est les blancs. Parce que l'homme a l'armée, on parle de souveraineté. L'homme a l'armée, on parle d'un pays comme Sindadjou vraiment qui est indépendant, qui est capable de gagner des soldats qui ont veillé les frontières, n'importe quoi qui est capable de passer. Et si c'est que l'armée d'Haïti, tout, je garantis que vague zam cap rentré sous frontières. La République dominicaine rentre à Haïti, 4 jusqu'à rentrer dans le moment, pas la voilà, il n'y a pas de fait. Il n'y a pas de comme ça. Si tu as la médaille d'Haïti, tout, qu'est-ce que tu as entendu les autres bandits, à gauche, dans le monde, sans jour, 400 maros, Zolobey, pas de faire ça du tout, même dans le rêve, voir pour nous vivre li, dans la réalité. Ça veut dire que je dis, hein, nous sommes dans une situation qui est extrêmement difficile, mais c'est nous-mêmes, en tant que Haïtiens, qui vous mettez tête ensemble, notre tête ensemble pour que nous gardions comment tu vas retirer, payer dans sa culture là. Nous prenons le fond de parler qui choye. Mais je vais profiter pour que je salue nous. Avec tout respect, toute estime que m'gay pour nous. Mais avant que m'salue nous, m'a dit haïtien qui dans Florida qui connent prend plaisir dans rentrer zam en Haïti, nous mettre fait préparer nous,
fait y préparer nous. On prévoit des petits choix qui capable arriver. Comprenez parce que nous capable solis FBI checker sur nous et non nous quelque part qui de bagaille. Haïtien qui en Floride qui t'acheter zamyo. Pour Dimitri va pour porter by dossier bientôt. OK, dans pays d'Haïti, nous te porter sur bateau Miss Lily. Bateau El Shaddai. Nous te faire rentrer dans port de paix. Eh ben nous mettre préparer nous parce que Miss Lily pas perdre bateau, El Shaddai pas perdre bateau et n'a prend code comme criminel. Haïtien frère ensemble en général. Nous gagnons pile qui choy que nous portons pour aujourd'hui dans l'académie. Ça nous va le faire un petit parler. On va nous content ensemble avec nous. Je vous dis bonjour et bonsoir à tout le monde. Dépendamment de qui côté qui l'a attendu nous et vous regardez nous. Encore une fois, gens que nous connaissons, c'est toujours un plaisir pour moi pour que nous ensemble avec nous. Et ça vraiment fait du bien. À chaque fois que je connais, je viens partager un moment ensemble avec nous. Et que je connais, nous allons réagir exactement à travers les commentaires. Alors, c'est là que nous allons dire tout ça que nous pensons. Eh bien oui, tout ça que nous comprenons, de ça qui dit dans l'académie sur Panouan, effectivement, qui passe sur la plateforme Panouan, qui sur la plateforme YouTube, il faut bientôt. Parce qu'il est clair que, eh bien nous entendons, nous comprenons, nous apprécions ce travail-là, c'est normal pour que nous capables de gagner une réaction. Réaction Panouan, pas de l'autre côté que nous capables de faire, c'est exactement dans l'espace commentaire-là, côté nous déjà avec toutes les amis, toute famille plateforme ça, à commenter, à dire ce que vous pensez, à dire ce que vous comprenez, parce qu'il est très intéressant. Pour que vous commentez ou dites ce que vous pensez ou dites ce que vous comprenez. Ok, partagez. Ou même qui a peine à faire apparition avec plateforme ça, sous plateforme ça, eh bien, il est nécessaire pour que vous dites ce que vous pensez. Et ou du moins, abonnez avec plateforme là, rentrez dans la famille là, eh bien, pour capable tendre et garder et comprendre toute information sur tout ce que vous avez parlé de vous dans le pays d'Haïti. Et que nous avons une possibilité pour nous jouer exactement sur la plateforme ça, qui est la plateforme YouTube et Foubeto. Assumez responsabilité en tant que haïtien pour abonner avec la plateforme ça. C'est très très intéressant. Nous pourrons le faire parler. Mais entre temps, bon, moi, si je vais faire nous tendre, c'est une belle bagarre. Déclaration, soi-disant autorité pays. Et pour le moment, suite avec bon, finalement, c'est de être chargé. Bien que nous au coup de la route, internet là bas des problèmes, mais on va regarder comment on va partager ça ensemble avec nous. Gagnent yon voilà. En attendant, yon major dans l'armée d'Haïti, vous comprenez? Et qui t'a répondre une question? Des journalistes dans Radio Télévision Caraïbes, journal Première Occasion. Sous dossier militaire. N'a pas mettre autant de déclarations major là, major Bastien. Ensuite, n'a venu pour des commentaires et n'a venu avec déclaration Ariel Henry qui a cherché support militaire. Non mais l'armée pas nous, l'armée que le président Jovenel Moïse te mette, remette campé sous pied a, comme institution que Lavalas sale, Aristide Moun sale, te crasé en 1994. Je dis à pour Moun sale ça vivre dans le pays, pays en pourri, pays en senti, pays en gangrené, comme ça me dit là, pays en ganglé complètement, pays comme c'est pourri pour garder ça vivre dans le pays et pour décraser l'armée d'Haïti. Dans tout pays sous la terre. Toujours, l'armée toujours bay problème, l'armée bay coup d'état. Mais tenez bien, c'est moun qui fait l'armée. Situation capable de dresser parce que ou c'est président de la République, ou capable retirer ou état-major l'armée. Mou pas obligé craser. Colonel l'on t'a parlé. Et alors, major, je pas voulu exciter, non, je voulu calme ensemble avec nous aujourd'hui. Pour nous tendre. On essaie maintenant. Donc, malgré tout, d'après ça, je connais, il y a des opérations. Et là, il n'est pas capable, même comme s'il aidait la police là, faire face à cette situation. Bon, je ne sais pas quoi vous faites appel à vous. Ouais, ben non, si vous faites appel à vous, c'est à cause de vous, parce que sur le terrain. Donc, malgré tout, d'après ça, je connais, il y a des opérations combinées que vous faites avec la PNH. Mais maintenant, l'armée n'a pas de matériel. Et ce n'est un secret pour personne. L'armée a commandé des armes. Les armes sont entrées ici, comme ambassade qui est. La question pour la mer, il est obligé de la police.
Et moi, plus loin, go officier, yo dit moi, qui dit pas de West Point. Bah, moi, prends ça. Et là, il n'est pas capable, même, comme si aider la police là, fait face à la situation. Bon, pas quoi, vous faites appel à West Point. Non, si vous faites appel à vous, c'est à cause de ça, parce que vous êtes sur le terrain. Donc, malgré tout, d'après ça, je connais, il y a des opérations combinées que vous faites avec la PNH. Mais maintenant, là, il n'y a pas de matériel. Et ce n'est ce secret pour personne. L'armée a commandé des armes. Les armes ont entré ici, comme l'ambassade dit campé, dit pas question pour la mer, ils ont oublié la police. Mais on a un peu de bagarre, je voulais souligner. Et effectivement, ils ont commandé des armes pour la police, pour l'armée d'Haïti, ok? Pour qu'ils soient capables de gagner des matériels dans le pays. Il y a une ambassade dans le pays qui est influent. Même si vous êtes capable de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, ou du moins le Canada, Canada, monsieur qui est capable des États-Unis d'Amérique, qui dit pas question de bailler mes âmes, remettre les âmes avec la police en Haïti. Ça, c'est pour un bagaille que moi, là, moi, comme si nous avons pied sur nous là. Même si nous honnêtement, avant qu'il arrive là, on finit de major. Et m'bral dit nous que difficulté que le président Jovenel Moïse joigne l'heure d'a prendre décision pour que lui te mette la médaille sous pied. Et m'a dit nous ça honnêtement. Gon série de blancs. Blancs ça yo c'est des américains mais yo pile avalas que la valas dans Washington. Yo pile avalas que la valas Aristide là dans Washington. M'vle nous comme ça. Et c'est blanc la valas ça yo que Aristide fait multimillionnaire. Effectivement, qui pas voulait tant de parler de l'armée d'Haïti. Moi-même, classe ou ça ensemble avec nous. On finit de major. Et puis, on va le dire qui choye. On va aller plus loin. Gros officier, yo dit moi, qui diplômé de West Point. Je suis entré, vous entrez dans la mer. Gros ambassadeur, il dit non, ouais. C'est la police qui fait, je suis entré. Donc, nous connaissons des gens qui parlent de gros pays, qui pas voulait l'armée d'Haïti. Existe d'ailleurs, c'est qui crase. Même tout le monde dit pour nous ça, c'est pas le président ici qui crase l'armée d'Haïti. La mette commence pas craser tête li pas tout cette dérive qui dégaine, on va besoin venir sous ça. Mais maintenant blanc craser la mer, maintenant ce qu'on t'a reproché à président Aristide. Aristide président Aristide trop content blanc te mandé craser la mer comme il dégaine pour de pas puis t'étais avec la mer, il tout profiter. Mais si le président Aristide tenait à l'armée d'Haïti, il t'a dit blanc non, nous pas craser la mer, n'a nettoyer, retirer vacabo qui la dani et puis pour nous prendre une nouvelle armée. Donc, jusqu'à présent, ce problème, ça l'a mis d'Haïti. Par contre, il y a les pays de l'Amérique du Sud, le Brésil, le Chili, le Mexique, où ils ont boosté d'études. Ils ont prêts pour supporter nous. Mais l'armée n'a pas d'équipement ni de matériel jusqu'à présent. Pas longtemps, et Major Bastien, l'armée a été très décriée au point que nous avons arrivé à démobilisation en 1994. Mais à la faveur de dégradation et situation sécuritaire, là, nous, opinion, yo évolué par rapport à l'armée. Et c'est pas émotion, puisque y a le jeune qui a dit si l'armée était là, si l'armée est effectif, l'armée était capable pour ton coup de main, mais c'est peut-être parce que par contre, qui ça l'armée a été représentée avant de t'écraser. Bon, effectivement, ça a été la plus grande erreur, la plus grande bêtise humaine commise par nos dirigeants de l'époque en 94, on a demandé la mer, on va te caser la mer, parce que devant l'armée qui fait bêtise, qui commet bavu. D'ailleurs, comme vous répétez le professeur Jurago, il n'y a pas d'armée 7, ça peut exister toute l'armée qui commet des bavus, des bévues, etc. Mais par rapport à ça, l'armée chilienne fait. Lors du coup d'état du général Pinochet 73, mon cher, nous c'est nous et devant, mais l'armée chilienne là. L'armée bolivienne, de dire dans nos émissions sur Caraïbes, c'est l'armée qui fait le plus de coups d'état militaire au monde. Mais l'armée bolivienne là, je dis à soi en Bolivie, ou après l'armée dans toute forêt, à planter pieds, ou après fouiller, puis à tes yeux pour la population, tout et pour l'armée là. Ou pas de craser, toutes les institutions sont bonnes, ce sont les hommes qui font les institutions. Toutes les institutions qui sont vacables, monde de bien. L'église va être vacable là-dedans. Pour peut-être des scandales prêtres, monseigneur impliqué. Mais on va craser l'église. La justice. Non, pour la justice haïtienne, pour ça, juge des autres dans le scandale qui fait. Mais la justice existe. Donc on ne devait pas démanteler l'armée en 94. C'est ça n'a payé là. Si l'armée existe, mes amis, des bandits, ça a fait la loi. Maintenant, vous voyez, on voit de la réalité. Donc c'est juste qu'il faut comprendre qu'on a tout le monde, et même des gens qui étaient plus hostiles à l'armée, des antimilitaristes notoires, mon cher sous-tendu de monsieur ça on a radio qu'on a, mon cher, ça fait plaisir. Après, du oui, que vous avez besoin de l'armée, et nous avons besoin de l'armée, vraiment. Or, la garde des gens là, l'an dit pas fini.
Donc, pour chercher nous comparer ceinture, pour nous dégager, pour nous résoudre le problème. Non? Effectivement. Bon, embryon et l'armée et international là, lui-même, il pas soutenu démarche là. Et alors que il y a besoin pour qu'on ait une armée effective dans une situation comme ça, qui à venir ça nous gagne là et comme l'armée? Bon, mon cher, il faut l'armée, il faut le support du gouvernement, ce que je suppose que le gagne. Il y a déjà le support là, puis de la nation, parce que tout le monde a demandé pour l'armée, pour nous, pour l'armée qu'on y a là. Tout donc, je me souhaitais que qu'on y a un peu à faire effort, chercher matériel, pour passer par les marchés parallèles, parce que c'est pour celui qui vend l'âme, ni des âmes. Nous, qu'à passer par des marchés parallèles. Et par contre, tout dernièrement, on était dans nos scandales, on fait quoi, on fait deux, comment, balayer, on était commandé, mais si tu as dépassé par les voies, on était fait le circuit normal, Galil, on était en Haïti. Tout le cas, si vous voulez, on peut passer par le même circuit. Ça peut être une âme dans l'autre pays. Donc, on peut payer comme Israël, par exemple, on a un grand producteur d'âmes et encore de matériel de qualité. Nous, on peut passer par Israël. Donc, inévitablement, il faut prendre le matériel. Parce que vous n'avez pas qu'à goûter avec. Pour volume, ça, monsieur, ça, vous n'avez pas qu'à prendre avec. On est qui, on s'appelle-t-il encore, le physical, il n'a même. Vous n'avez pas qu'à prendre avec un petit pistolet de 9 mm devant lui. Non, il faut avoir du matériel pour bataille. Et pour remporter une victoire, il faut avoir une supériorité de feu sur l'ennemi. C'est ça, vous n'avez pas prendre à l'académie militaire. Ça qui est écrit comme document sur ce force, c'est une force qui t'a dû orienter vers le développement. En réalité, exiger à ce qu'on l'armée qui équipée qui capable faire face et aider la police là dans la situation où il est là ou même dans la compréhension qui l'armée je dis à pour Haïti. Bon, nous besoin l'armée, je dis armée de développement. Sur l'armée qu'on a là, où t'as bien mon cher, t'as occupé l'entretien des routes, et monter dans toute bonne monnaie dévastée, être dans des pieds bois, etc. Et des populations. Maintenant, une situation qui dépasse la police, et c'est écrit noir sur blanc dans la Constitution. L'exécutif fait appel à l'armée pour venir résoudre le problème. Donc, la situation, ça nous est là, si nous avons bon l'armée là, mon cher, t'as pas été résoudre le problème. Et puis, retourner dans la caserne, il a occupé de l'autre tâche, après quitter la police a fait sécurité des oui. Ça joue, il y a le monde qui connaît dit là, mais pour banane, comme s'il a parlé de ça, nous gala. Bon, PRS, le monde dit ça au choqué, moi, parce que tout le monde compte l'âme, amour, que je gagne pour la même, je ne vais pas décrire une institution comme ça, je ne suis pas d'accord du tout, tout le monde a dit là, mais pour banane. Nous, bon, l'armée, je viens dire, parce que son armée embryonnaire, parce qu'il fait 22 ans, il va exister. Donc maintenant, il nous faut un peu de volonté, et de la part du gouvernement, pour remettre bon l'armée sur pied. Aïe, 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 monsieur. Merci beaucoup, Major Patrick Bastien, avec vous. Nous, tu as parlé concernant l'armée, mais nous t'es pris pour prétexte, proposition, et Clarence Renoir a fait pour PIA, et tu as doté de matériel nécessaire à très partir bien. De sa relais en solidarité et... citoyenne pour. Très bien, voilà. Et m'a pas dit un petit bagarre sur intervention que Major Bastien fait. Et mais ça qui passe peuple haïtien. Président Jovenel Moïse te prend décision pour que l'armée d'Haïti comme sous pied. L'armée qui a environ 22 l'année. Ou bien 20 l'année qui pas existé. Est-ce que vous comprenez? Plus passé 20 l'année depuis qu'il va exister. Aristide qui t'écrasé avec support de la communauté internationale qui pas voulu ou l'armée d'Haïti. Et Jean que Major Bastien Dian, m'a répété le pronom. Dans tout pays dans le monde là. L'armée toujours par des autres. L'armée a son institution. C'est des hommes et des femmes qui font institution ça. Ça veut dire qu'automatiquement, il y a des autres. Et ça cause qu'il y a un haut état-major. Et l'on président de la République monté, je garantis que c'est vous-même qui commandez le chef de l'armée ou quelque part. Ça veut dire que vous êtes chef numéro un. Si vous avez une situation développée, eh bien, vous avez une possibilité pour dresser. Vous avez chita avec vous pour chita. Vous comprenez parce que depuis que volonté réelle qui a manifesté beaucoup de majorité, je garantis une possibilité pour qu'une prenne décision
en faveur pays. Normalement, Aristide, l'armée a été en pile des ordres, d'après ça que m'apprenne, ça l'histoire révélée. L'armée d'Haïti était en pile des ordres. C'est vagabondage. Vous comprenez, il y a en pile des ordres qui étaient à l'époque. Mais ça il va être obligé pour Aristide de venir au niveau, comme si nous avions pour prendre décision pour craser. Non. Autre part, pour craser, qu'on y a une. Ou sont vagabonds, et c'est ça qu'on a payé là. C'est-à-dire que coup de balle qu'on a pris là dans mes bandits, assassiné nous toute la semaine journée, violé petit nous, Aristide contribué. Et là, Aristide crase l'armée d'Haïti, il monte gang, il monte l'armée rouge, il monte l'armée timanche. Ça veut dire que ou est-ce qu'on a gagné une vision réelle pour te gangsteriser le pays là. Et c'est inspiration ça que votre vagabond politique joigne, il continue parce que c'est la valance qui fait politique pays à l'évitance cette année, la valance dans tout secteur. Yo, la valance va être tout parti politique net. La valance est venue pour PHTK qui est extrêmement remé gang. Elle se comprend. C'est la valance qui fait PHTK. Elle se comprend. Ça veut dire que Jovenel Moïse, comme président de la République, c'était comme gars en bonne marche institution. Yo, il a trouvé que c'est important pour nous tourner avec l'armée. Parce qu'il fait tout effort qu'il est capable. Il voit le ministère aller. Alors, imaginez, le président vient il camper, il voit le ministère aller. Au compte blanc, pas fin content. Blanc pas content. Est-ce que vous comprenez? Blanc pas content. Et puis, l'elfin voye ministre. Mais si le ministre est là, grand pile qui n'est pas capable de faire. Pendant tout ça. Grand pile qui n'est pas capable de faire. Parce qu'il se va vivre Iso village déjà. Il est comme si il n'y a pas fait dans le village déjà avec Iso déjà. Mais Jovenel Moïse était voyé ministre aller et puis il mettait campé sous pied l'armée d'Haïti avec ça qu'il connaît. Quelques petits soldats, vous comprenez? Il y a un pile qui a pris formation en Équateur. Moi, je vous dis ça honnêtement. Si je parle d'Haïti, je n'ai pas amis qui policiers. Même quand je amis qui militaires, oui. Ça veut dire que je dis là, moi-même, si je parle d'Haïti, c'est 15 à 20 militaires pour me gagner dans le monde. Il n'y a pas de travail facile. Les soldats, il n'y a pas de travail facile. Il n'y a pas de conduire, il n'y a pas de voler. Vous comprenez? Il n'y a pas de travail facile. Et je dis, on regarde pour eux. La majorité n'est qui dans le gouvernement Ariel Henry. Si un ancien militaire, il n'y a pas de sécurité, oui. Nous sommes étonnés. 90% de sécurité Ariel Henry gen kounya, c'est un militaire. Militaire qui n'a l'armée d'Haïti. Alors, c'est militaire qui n'a l'armée d'Haïti, pardon. Qui l'armée? L'armée que le président Jovenel Moïse te mette sous pied. L'armée qui était complètement à critiquer par le secteur politique ça. Je dis même secteur politique ça. Dans cette situation que vous piquez, c'est l'armée, c'est soldats. Parce que vous avez tellement utilisé les policiers mal, vous ne pouvez pas faire policiers confiance. Est-ce que vous comprenez? Ils ont tellement utilisé les policiers au mal, ils ne viennent pas faire les policiers confiance. Mais ça vient de faire que, justement, c'est dans l'armée d'Haïti. Moi, je m'ai regardé pour moi. Hier, Ariel qui débarquait dans la base, dans le quartier général de l'armée d'Haïti. La base de l'armée. Honnêtement, je m'ai dit que c'est un bagaille. Ou capable de boire son bagaille, n'a pas forcé fait. Ça, c'est clair. Faut que nous véridique. Ou est-ce qu'on a forcé faire, ou est-ce qu'on n'est pas équipé, ou est-ce que les soldats n'ont pas bien nourri, ça veut dire que n'ont pas mangé normalement, n'ont pas bien équipé. Et ce sont des choses qui sont difficiles. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Désolé. Ce qui est difficile pour des jeunes garçons qui choisissent de rentrer dans l'armée malgré tout ce qui a passé dans le pays. Ils connaissent la situation politique du pays. Mais il y a des jeunes garçons avec des jeunes filles qui choisissent de rentrer là-dedans. Mais ce n'est pas des gens qui sont bien équipés, ce n'est pas des gens qui nourrissent comme si Nadjou qui va vraiment gagner. Ils ne pas occupés. Il va vraiment prendre soin yo. Et espace côté quartier général là hier, ou est-ce pas espace qui comme si qui occupé. Moi ce bagage comme si il n'a pas besoin ça. Mais je dis nous gagnons une occasion en or et c'est ça que me devait arriver ensemble avec nous. Nous gagnons une occasion en or définitivement pour nous capable remobiliser l'armée d'Haïti. Ça fait me dire que nous avons une occasion en or. Nous avons une situation qui est extrêmement compliquée.
Côté que la communauté internationale déclare clairement, pas de intervention militaire. Et il faut que nous sortions de ce que nous venons là. Nous ne pouvons pas arrêter là-dedans. Pour nous sortir là-dedans, la police nationale d'Haïti, je ne peux pas dire dépassé par événement, mais ou capable tout, dans tête la police là, chef de gang. Monsieur son on qui des complicités avec gang et son qui n'a tué le président tout parce que et pas nous qui dit tout le monde compte tout bagaille. Ou pas faire confiance. Ou capable faire force police la confiance si par exemple nous te mettez et on l'autre tête là-dedans. Il y a un monde qui remet pays là. Il y a un monde qui est honnête. Et il y a un monde dans le pays là. Mais moi-même m'a dit non ça honnêtement. M'a toujours glissé ça pour nous. Nous gagnons un grand monde que nous avons mis comme ministre de justice pour le moment. Qui prend le bas nous, qui va faire élection, qui t'a supposé faire élection pour nous à partir de mois de septembre qui vient là. Moi-même, je grand monde que je pense. Je pense que M. Luc Mandela est capable de faire un bon premier ministre, un chef gouvernement, un chef CSPN, honnêtement. Je pense que le commissaire Miskade est capable de faire un bon ministre de justice. Ça, c'est des bagages qui sont faciles, les Haïtiens. Ariel n'a pas rien que la réglé. 2 millions d'Haïtiens choisissent d'y aller la guépile par la guépile. Et nous choisissons, mais qui est-ce qu'on a mené comme premier ministre? Tout ça m'a demandé là, m'a vient tout. Nous avons la main solide, nous avons un commandant chef de la police solide parce que nous avons choisi. Vous comprenez? Nous avons gagné, nous avons gagné sécurité dans le pays. À la vérité. Mais nous avons besoin de retirer Ariel Henry là. Ariel débarqué dans le quartier général Lamia. Il t'a parlé, oui, en dedans. On va essayer d'attendre. Ça qui t'a dit. Tous les citoyens, nous entendons mobiliser toutes nos forces pour rétablir la sécurité. Ariel pour elle parler, n'attendez. Mande nous patience nous. Patience nous, t'as pris souple parce que nous connaissons nous au coup de la route. Et si elles sont pas paraître trop ok, prends-tu patience, d'accord? Pour signifier à nos officiers. Ariel. À nos sous-officiers. Et à nos soldats. Qu'en ces temps où la lutte contre l'insécurité galopante est devenue la priorité numéro un pour toutes les citoyennes et pour tous les citoyens. Ça, c'est vrai. Nous entendons mobiliser toutes nos forces pour rétablir la sécurité. À l'origine d'Haïti, il y a eu l'armée. Exactement. Mais nous voyons ça, comme assassin. Anciens esclaves, on avance sur l'histoire. Précurseurs et défenseurs des droits humains. Dans un monde où la loi est assurée en sécurité publique en général, c'est travail la police avec la justice. Travail ça, yo, la police a fait yo chaque jour, malgré moyens limités. Si la police a multiplié opérations contre gang, yo, situation n'a pas fini net. Pas les personnes sont multipliées. La situation dépassée niveau sécurité publique, pour tourner un problème sécurité nationale, nous devons admettre. La police administrative avec la police judiciaire pas formée pour faire face à problème de sécurité nationale. Ça, c'est là, mais on va le parler, la garçon. Unité spécialisée, qui dans la police, là, pas suffit pour répondre à la situation qui a développé dans le pays. En avance, garçon. Ça n'a plus journée aujourd'hui, c'est pas des affaires. Ça n'a plus journée aujourd'hui, c'est plusieurs groupes bandits. Ils ont mis toute qualité aux âmes, font foi. Et qui déclarent. Peuple haïtien, la guerre. Là, ce n'est pas un problème de sécurité publique. C'est un problème de sécurité nationale. Si, d'un coup, l'autre bord. Permettez-moi. Aïe. On a perdu connexion, mais sauf que prends patience pour moi, s'il vous plaît. Parce que, justement,
Il y a un côté qui a perdu le signal et en fait, n'a fait effort pour entendre quand même le discours. Alors, on va prendre avec un pile patience pour entendre le discours à Ariel Henry. Bien qu'il connaît, qu'il n'a pas digéré ça qu'il a parlé là. Mais honnêtement, dans l'espace côté, il a fait le discours ça. Ok? C'est dans la base de l'armée d'Haïti. L'armée que le président Jovenel Moïse, effectivement, a jugé nécessaire pour que l'IT mette le camp sous pied. L'armée qui était démobilisée, l'armée qui a été écrasée. Entendez. Paysans mineurs, ils voient ainsi que pas une bonne information sous place. Ou qui recevra plusieurs centaines de mieux dans la base de la caille pour entraîner. Nous fier aujourd'hui pour nous voir quelques-uns dans un bel uniforme aligné devant nous. Que la situation, que la désespérance atteint un niveau tel que les filles et les fils du pays n'envisagent leur avenir qu'ailleurs. Il nous faut retourner aux fondamentaux, à ce qui a fait de nous le peuple que nous sommes. Et nous sommes devenus ce peuple, celle qui a créé notre pays. Il nous faut utiliser toutes nos ressources, réaffirmer que nous sommes farouchement attachés à nos libertés. Liberté de circuler, liberté de vaquer à nos occupations, liberté de vivre tout simplement. C'est pour cela, aujourd'hui, que je suis venu rendre visite aux forces armées d'Haïti pour signifier à nos officiers, à nos sous-officiers et à nos soldats, qu'en ces temps où la lutte contre l'insécurité galopante est devenue la priorité numéro un pour toutes les citoyennes et pour tous les citoyens, nous entendons mobiliser toutes nos forces pour rétablir la sécurité. Et ça, non, les garçons. Papa, ici, tendez bien. Il y a eu l'armée. L'armée, effectivement. Anciens esclaves en avance sur l'histoire, précurseurs et défenseurs des droits humains, dans un monde où les minaient le destin. Il y a eu, en 1804, cette victoire sur l'injustice que nous continuons de célébrer, que le monde retient, même si Haïti vit depuis un certain temps une succession de moments difficiles. Au commencement était l'armée d'Haïti. Une armée déterminée qui a mis fin à l'esclavage. Jodia, nous besoin de toute force sécurité nous. Nous besoin de détermination qui déhabite l'armée indigène. Nous besoin de mettre ensemble toute énergie. Énergie la police à toute unité spécialisée, énergie l'armée, à collaboration yon peuple haïtien uni pour mettre fin à sa criminel qu'a fait sous population. Abraham dit c'est assez. Faut bagay ça fini. Moi vin dire aujourd'hui un peuple haïtien, c'est pour nous compter sous force l'autre. Moi, je dis non, le pays a besoin de nous toutes. Moi, je dis non, il fait noir depuis trop longtemps. Et... Parle-là, parle tout. Pâché avec l'histoire. C'est vrai. C'est... Puis bien, on fait tout ça qui est possible pour qu'un pays meilleur pour tout le monde. Les forces de l'ordre ont évité le pire ces derniers mois. Elles nous ont tant de fois épargné
de grand pays. Nous ne les remercierons jamais assez pour ces nuits et ces journées passées à veiller sur nous, à faire en sorte que nous dormions tranquillement, à protéger nos vies et nos biens. Ils ont souvent enregistré des pertes dans leur rang, ce que nous déplorons et que nous condamnons. C'est au nom du peuple haïtien que le gouvernement vous dit aujourd'hui de continuer à faire sacrifice pour jouer le moyen pour nous équiper toute force sécurité nous yo puis bien. Bayo, ça y a besoin. Et mettez-vous dans la situation pour répondre le nom de vous. Marchez vraiment dit, frappez toute gang qui déclare nous la guerre. L'union fait la force et nous avons à dire. C'est dans l'union de forces de sécurité que nous trouverons la force de combattre les gangs et d'éradiquer l'insécurité. C'est la condition sine qua non pour revenir à un fonctionnement normal de nos institutions, pour attirer de nouveaux investisseurs, pour créer de nouveaux emplois, bref, pour reconstruire. Reconstruire nos infrastructures et aussi pour attirer des touristes en grand nombre. Haïti Nouvelle-A, nous ne pourrons pas la bâtir avec des gangs qui sévissent partout. Ils doivent entendre raison ou nous leur ferons entendre raison malgré eux. Officiers, sous-officiers, soldats des forces armées d'Haïti, nous venons aujourd'hui pour nous constater que nous parions pour mener une bataille ça, bataille contre les sécurités. Nous venons joindre nous pour nous travailler la main dans la main avec les forces policières. Voilà. Une bataille contre les sécurités. Officiers, officiers et soldats, moi je connais que nous parions, nous servons le pays noir, pendant la perspective droit tout le monde. L'armée avec la police cristalliser l'espoir au changement dans la question de sécurité, qui est la première préoccupation que les haïtiens aujourd'hui. L'histoire passée, l'histoire récente nous disent que nous avons raison d'y croire. Nous devons compter sur nos propres forces d'abord. Quand nos partenaires et nos amis le pourront, ils nous viendront en support. Nous comptons encore sur eux. En nous camper là, en nous camper là, m'a salué Madame Evelyne Nuit, Zamino, m'a salué toute frême avec Sam. Effectivement, qui présent comme d'habitude dans l'académie ça, qui prend temps yo, prend sang yo pour attendre nous pendant que yo fait route ensemble avec nous. Eh ben, me saluer nous encore une fois. Nagasi Mamouketilo, Jacqueline Michel, Mede Francisco, tout l'autre ami nous yo, Jeanne, en pile dans nous. Mes amis, commentez. Voyez nous yo pour nous jouer une salutation spéciale là parce que nous méritons, elles sont obligations pour chaque grand dans nous jouer une salutation hein. Exactement dans la zone côté nous hier parce que chaque quartier côté où habité vous êtes un représentant direct de plateforme YouTube maman Pembappé porté plateforme qui pas pêche là qui c'est plateforme YouTube Infoberto. Écoutez bien, Ariel avoué et que la communauté internationale pas vle vin aider yo encore suite avec des monde qui ont demandé de faire par côté yo et bien définitivement il dit clairement et que la communauté internationale pas vine de nous. Yo pas vle vine de nous. Ça c'est clair. Li dit li dans message là, nous va attendre encore. Li dit que yo pas vine de nous. Kounya c'est Kounya Ariel quoi dans l'armée d'Haïti. Mais m'a dit nous grande bagaille. Li moi même honnêtement. Moi d'accord à 100%. Moi d'accord à 100% mais ça que m'a dit en tant que monde. Mais c'est ça, est-ce que yo pas honte? Est-ce que yo pas honte?
Est-ce que vous n'avez pas supposé mettre pied, mettre genou à terre? Ariel, vous supposé mettre genou à terre pour la demander soldats nous qui sont toujours parés pour bailler la main faute dans la bataille contre l'insécurité dans le pays d'Haïti. Est-ce que Ariel va pas supposé mettre pied, mettre genou à terre pour demander nation excuse 18 ministres du gouvernement assassins? Est-ce que vous n'avez pas supposé demander nation excuse comme des traites nationales, comme des voyous, comme des conseils qui trahissent la nation, qui trahissent cette nous? Trahis-nous comme peuple, parce que nous-mêmes, nous sommes des militaires nés. Parce que origine nous, c'est des militaires. Et mes peuples haïtiens, nous croyons que aujourd'hui, c'est la main d'Haïti qui peut porter la main faute et que Ariel décide de venir jouer la main. Moi-même, encore une fois, moi je critique pas pour Ariel, mais finalement, sous conscient en tant que monde, je fous de battre bravo pour vous. Nous connaissons notre président Jovenel Moïse. Tenez bien, notre président Jovenel Moïse, nous avons torché pour nous capouler entre nous. Et nous ne pouvons jamais suivre le boulet. Parce que nous ne pouvons jamais tomber d'accord. Là, nous finissons le président. Mais si nous décidons de rendre compte et que nous devons faire payer mal, nous descendons, dignité pays, respect pays, devant les yeux de l'autre nation, parce que nous sommes le premier peuple noir qui est libre et indépendant. Quand nous avons demandé d'intervention militaire dans le pays, je dis là où est-ce que vous avez vu les deux, ou surtout l'aide, ou surtout sale, ou vous demandez pour bailler support. Et voilà, je vous demande excuse tout d'abord. En nous entendant, chef coalition d'assassins qui tue le président PIA, qui c'est Ariel Henry. Entendez. Déjà, comme expérience, pour nous faire plus bien, pour nous faire tout ça qui est possible pour un pays meilleur pour tout le monde. Les forces de l'ordre ont évité le pire ces derniers mois. Elles nous ont tant de fois épargné de grands périls. Nous ne les remercierons jamais assez pour ces nuits et ces journées passées à veiller sur nous, à faire en sorte que nous dormions tranquillement, à protéger nos vies et nos biens. Elles ont souvent enregistré des pertes dans leur rang, ce que nous déplorons et que nous condamnons. C'est au nom du peuple haïtien que le gouvernement vous dit aujourd'hui de continuer à faire sacrifice pour nous joindre moyens pour nous équiper toute force sécurité nous plus bien. Car vous avez besoin. Et mettez-vous dans la situation pour répondre le nom de vous. Marchez vraiment dit, frappez toute gang qui déclarait nous la guerre. L'union fait la force et nous avons à dire. C'est dans l'union de forces de sécurité que nous trouverons la force de combattre les gangs et d'éradiquer l'insécurité. C'est la condition sine qua non pour revenir à un fonctionnement normal de nos institutions, pour attirer de nouveaux investisseurs, pour créer de nouveaux emplois, bref, pour reconstruire. Reconstruire nos infrastructures et aussi pour attirer des touristes en grand nombre. Haïti Nouvelle-A, nous ne pourrons pas la bâtir avec des gangs qui sévissent partout. Ils doivent entendre raison ou nous leur ferons entendre raison malgré eux. Officiers, sous-officiers, soldats des forces armées d'Haïti. Ça me met, oui. Nous venons, je dis, nous constater que nous parions pour mener une bataille, ça. Bataille contre les sécuritaires. Nous venons joindre nous pour nous travailler la main dans la main. C'est la force condition. Une bataille contre les sécuritaires. Allez, messieurs. Côté président Jovenel Moïse, mon cher, je ne vais pas mentir, il est content parce que c'est un président qui est sacrifié pour la République. Il est conscient de saleté où il a mis en face, mais il continue à délanter dans quatre batailles qu'il a menées pour regarder comment nous allons aller mieux. Et monsieur, finalement, tout secteur, tout assassin, tout criminel a fini par bailler Jovenel Moïse raison publiquement. Et la République a compris.
effectivement raison qui cause nèg tout le président. Qui est-ce qui vrai ennemi nation ça? Peuple haïtien, en nous tendez et comprendre ça qu'a parlé là yo. Jodi a l'armée qu'on a rien à parler, la ville m'a de support. C'est lui-même que le président Jovenel Moïse te mette sous pied. Là que le président te fait envoyer le ministre aller. Et Mbappé nous menti. Et c'est l'armée qui va résoudre le problème. Non. Il y a des capacités. Il y a des capables. Il y a des capables de mettre sous des chaises. Il y a des capables de mettre sous des chaises. Il y a des capables de mettre Michel sous des chaises. Il y a des capables de mettre l'homme sous des chaises. Il y a des capables de mettre le cassé sous des chaises. Il est très important pour que nous-mêmes nous fassions tout ça qui est capable pour nous éradiquer toute force gang à costume, gang à sapate. Industrie qui a produit Gagno, Edouard Bossan, voleur, criminel, assassin. Vous comprenez? La famille Boulos, et pour vous prendre au foot, vous prenez sous des chaises. La famille, comme elle est Vob, foot, vous prenez sous des chaises. Le shérif Abdallah, fait un bail talon complètement. Vous comprenez? Je dis, nous besoin Haïti. Nous Haïti avec Haïtiens qui remet Haïti. Nous besoin Haïti avec petit pays. Et nous pas besoin Fatra, nous pas besoin Ravette ça, nous pas besoin criminel ça, nous pas besoin assassin qui mette petit bandit pour tout le monde. Cap kidnappé moun, cap volé bien moun, je dis à ça fini. Et m'a dit, la main d'Haïti, nous connaissons une capacité. Et m'a demandé tout ancien militaire, tout militaire démobilisé, nous dans le combat, nous dans la bataille. Si son bout de couteau te gagne en bas de nous, mettez-le sous, kebel nan mou. Si son bout de manchette te gagne, kebel nan mou. Si son bout de rache te gagne, kebel nan mou. Si son 45 te gagne, te s'en batte. Mettez-le sous terre, nettoyez-le, commencez, nettoyez-le, clean-ni. Vous comprenez? Quel que soit Zamnan, organisez-nous. Parce que nous allons mettre balle sur Iso, nous allons mettre balle sur Nel Kassi, nous allons mettre balle sur Michel, nous allons mettre balle sur Le Monsanjou, nous allons mettre balle sur 400 Marozo, nous allons mettre balle sur GPM Genève, comme tout le monde qui a tout le monde qui a payé ça, nous allons mettre balle sur eux. L'important. L'important, je dis, en nous nettoyant Zamnan, l'armée d'Haïti, nous allons mettre 10 balles sur Edouard Bossan. L'important. Faut que payer comme ça. Depuis ces gangs, faut toute gang éradiquer. Pas de gang plus haut, gang plus bas. Tout gang c'est gang et c'est un exemple qui produit gang. Yo. Faut que nous fassions tout ça que nous avons. Ariel Ariel appareil, chef de gang, chaque coalition d'assassins. Important. Officiers, soldats, moi je connais que nous parions, nous servons le pays noir. Pendant la prospérité, droit tout le monde. L'armée et la police cristallisent l'espoir au changement dans la question de sécurité. C'est la première préoccupation que les Haïtiens ont. L'histoire passée, l'histoire récente, nous disent que nous avons raison d'y croire. Nous devons compter sur nos propres forces d'abord. Je dis où est ça? Quand nos partenaires et nos amis le pourront, nous viendrons en support. Nous comptons encore sur eux. Kounia. La tâche ne sera pas facile. Mais grâce à votre courage, votre engagement, votre détermination, la victoire sera au rendez-vous. Nous comptons sur la police. Nous comptons sur l'armée. Nous comptons sur le support. Que Dieu bénisse Haïti. Mais pas dans le bouche pour moi ça sorti. Moi ça 5 courriers, on va parler pour moi que Dieu bénisse Haïti. Écoutez bien peuple haïtien. C'est la mais ça c'est n'a que te relé la mais Jovenel. La mais pour banane. La mais pour patate. La mais pour yam. Tu connais goûte la mais. La mais pour cathédrale. Mais c'est n'a que toute qualité bagaille monsieur. Manifestation là ancien militaire yo prend la rue. Vous comprenez n'a que boulé yo. Mais vous crasez tête avec coup de roche, vous lapidez, monsieur. Vous êtes équipe de grand monde. Petit grand monde, ça c'est que vous avez l'amour pour la main d'Haïti. Comme des anciens militaires, monsieur. Aïe, monsieur, là, vous prenez la rue. Vous avez des manifestations, vous prenez vos poulets, vous crasez, vous décapitez, monsieur. C'est un petit grand monde, vous prenez ce chèque de masse, man. Vous avez de Michel, man. Ou la famille, jeune garçon, famille, petit grand monde, ça va se poser à chercher qu'on a de Michel, prenez la coup de roche tout. Parce que vous avez passé. Qui va essayer nous quitter au passé? Qui a des réponses là négatives faites comme ça qu'on a des réponses? Si nous pas faire une réponse proportionnelle avec qualité Zach que le commettre là, honnêtement, à conseiller des petits voyous qui viennent faire Zach, là qu'on est au bout d'un pas donner. Faut que nous pas donner ça yo. Trop bagay fait dans le pays ça. Trop bagay mal fait. C'est regardez là, médaille ici monsieur. Mais ça que m'a dit nous qui est important, il y a me sourire. Me sourire pendant que moi j'ai toute critique yo.
Parce que les gens font nous guérir dans le cas contre eux-mêmes. Parce que malheureusement, ils sont des Haïtiens tout. Mais ils tuent le président, ils ont boulé le pays, ils font nous pas gâter le pays, nous ne pouvons pas raïr. Parce qu'ils ont menacé la vie nous toutes comme Haïtiens. C'est des terroristes qui sont au pouvoir actuellement là. Ça que moi, bagaille hier. Nous tellement gagnons coutume ça la caille nous. Parce que nous avons un esprit militarisé comme si nous avons ça la caille nous comme Haïtiens. Eh bien, je ne vais pas nous mentir. Et hier, j'ai regardé le jeune garçon, jeune femme, a fait parade là. Je me sens un vent d'espoir. Est-ce que vous comprenez? Je me sens comme si nous pas jouer nos libertés. Et c'est ça que je me demande. Mais quand il y a important, est-ce que il y a des moyens qui sont à la disposition? Yo? Parce que nous t'entendons, colonel, là, qui te dit qu'il faut que nous ayons des moyens. Le colonel qui te demande. Et deux chars d'assaut, un hélicoptère d'assaut, pour que nous, dans deux semaines, la mettons solution. La mettons solution avec ça, qui est là comme situation. C'est l'homme de ça, monsieur. Et monsieur a crié, monsieur a crié avec l'eau dans les yeux, il a dit bagaille. Et mais finalement, il a oublié, il a fait comme si il n'avait pas pété nos côtes au bal senti. Est-ce que vous comprenez? Mais je dis, est-ce que vous comprenez? Il a tourné. Où a payé ça? Pays a changé, il nous met gaz pour attendre. Il a dit nous ça, pays a changé. Nous met quoi? Et moi, c'est dans ça que je crois. Qui cause que je ne suspends pas la bataille, non? Je crois dans ça. Ça cause que je ne suspends pas la bataille, je ne suspends pas les gars. Est-ce que vous comprenez? Et nous toujours campé dans le goût. Pays a changé. Honnêtement, je dis nous que pays a changé. Haïti n'a pas prêté comme ça. Nous met quoi, si vous voulez? Parce que si, ou Kawe Ariel débarque avec plusieurs ministres dans le gouvernement là, avec des militaires dans le cortège. Pour venir demander l'armée nous, qui ont été humiliés, qui ont été trahis, qui n'ont pas respecté. Ils viennent demander au support, ils viennent dire qu'ils croient dans eux et qu'ils connaissent qu'ils ont résolu le problème. Ça prouve nous gagner espoir. Dès que ça n'a pas longtemps pas là. Il n'y a pas longtemps pas là. Il n'y a pas longtemps pas là. Je me clair sur ça. Il n'y a pas longtemps pas là. Et moi, je crois que c'est ça que je me toujours prône. 2 millions d'Haïtiens mobilisés, ils sont conscients. Je me toujours sensibilisé nous pour nous comprendre la nécessité de guerre, pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous fonder. Bah, payer un coup de main. Retirer ces ça là. Vous comprenez? Retirer ces ça là. Et en fait, si nous jouons 2 millions d'Haïtiens, le phénomène de sécurité nous sorti là dans la nuit. Tout Haïtien qui a couru pour le Biden, il y a tout le monde qui a couru pour le Biden. Vous comprenez? Biden ne peut même prendre 1 million de monde dans 4 pays. Ok? Imaginez 30 000 par mois. Faites 30 000 par mois pendant 24 mois. Ben, moi, je vais faire quelques pour nous. Je vais me faire chiffre moi-même. Et. Le. Ok. 30 000 divisé par 4. Ok, divisé par 4. Libère 7500 chaque mois pour Haïti. Je ne prends pas Haïti. 7500 pour Haïti. 7500 multiplié par 24. Ah, et Biden a pris 180 000 Haïtiens. Et 180 000 Haïtiens pour rentrer aux États-Unis pendant 2 ans. 180 000. Pendant 2 ans. Chaque mois, il prend 7500. Chaque mois, il prend 7500. D'accord? Ça veut dire que c'est 180 000. Et puis, moi, j'ai plus passé 4 à 5 millions de monde qui mobilisé. Je me dis que nous tout avons fait passeport, mais nous tout pas voyager. Dans Biden, surtout. C'est normal pour que vous soyez en tant que citoyen. Il n'y a pas obligation. Il n'y a pas obligation. Sous voulez que vous passez son choix. Ok? Et. Tout pas calé. Il faut que nous crétions. Ok? C'est 180 000 Haïtiens qui ont rentré aux États-Unis d'Amérique pendant 2 ans. Pendant 2 ans, hein? Et 7500 chaque mois. Et bien, il va comme si 180 000 chaque mois, non? 180 000 pendant 24 mois, pendant 2 ans, que Biden était pour le faire au pouvoir. Son politique migratoire qui est liée, pour être capable de gérer. Et dossier bagaille Mexique, pour Texas là. Et cap envahir. En fait, c'est ça.
N'a pas continué toujours avec même émission. Hein? Et M. Luc Mandel, il te font parler hier, oui. C'est une balade de M. Luc Mandel. Malheureusement, c'est avec le cœur déchiré, nous avons une situation en genre dégradée que nous tous constatons. Et hier, il y a un pile qui n'a pas eu. M. Luc Mandel, il n'est que me voir qui est pour Premier ministre. Bon, c'est même si je suis un Premier ministre, mon chef gouvernement. Oui, c'est le gars un bon chef gouvernement. C'est ça. Tout à l'heure, il y a une petite connexion qui a des problèmes là. On va avancer. Encore une fois, je salue nous pour conviction, non, pour confiance que nous placer dans moi et Infobeto dans la plateforme. Je veux dire, c'est pire d'accord. Si vous avez kidnappé, que je sois ou pas avec, que je sois. Malheureusement, c'est avec le cœur déchiré, nous avons une situation en genre dégradée que nous tous constatons. Et hier, il y a eu un pile kidnapping dans cette ville-là. Je veux dire, c'est pire d'accord. Si vous avez kidnappé, que ce soit au pavé, que ce soit rue des Cazelles, que ce soit la rue haut, et que ce soit bas toujours. Donc, son bail lamentable, son catastrophique, et son bagage extrêmement grave là, au niveau pays arrivé. Hein. Donc, monsieur à l'aise, il a tué le monde, il a violé le monde. Donc, on y a autrefois. Et quand on dit les situations montées comme ça, tout le monde entre la caillou, et bien, on y a même sur la caillou, ou pas de garantie pour ça, dès qu'on entre la caillou, on y a kidnappé et tout. Donc, l'un garde de toute aire métropolitaine et encerclé net avec des terroristes, avec des criminels. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on bail qui fait. Et parce que ce n'est pas normal, nous ne sommes pas camarons, nous ne sommes pas capables de quitter le pays à des délinquants, des voleurs. Donc je crois qu'il faut qu'on bâille fait parce que cette situation, ça, Haïti constitue la honte. Le monde entier a parlé d'Haïti. Nous avons fait de l'insécurité. Le plat quotidien de l'Haïti, c'est l'insécurité. Donc ça veut dire que nous pas qu'à fonctionner. Puis gros bien, l'éternel bâille les hommes, c'est liberté pour circuler. Mais on a une belle liberté, ça qu'on est là. Ou pas qu'à ce plan, pour aller dans l'autre point avec facilité. Donc, situation extrêmement grave. Moi-même, je crois que la société, hein, il faut qu'ils font bagarre tout parce que nous ne pouvons pas arrêter et mourir debout. Il faut qu'ils fassent solidarité, tout le monde de solidarité. Et pour nous protéger, sécuriser tête, non. Parce que l'un gardé, et en réalité, donc, on va demander qui fait quoi. Que comment pays a fait une situation comme ça. Et peut-être, en pile haïtien, de 10 ans, 15 ans de cela, ils n'ont pas imaginé cela arriver. Donc malheureusement, c'est là arrivé. Et je crois que faut que des mesures qui vous prennent, parce que quand même, il y a l'État là, quand même, si vous voulez. Et il faut que vous fassiez bagarre, il n'y a pas de brûler sa responsabilité. Ne pas regarder que pays, maman, papa, crie comme ça. Ce n'est pas normal. C'est révoltant situation, ça. C'est intolérable, bagaille ça. Donc, pour voler, mettre tout le monde en déroute. Autrefois, M. LMPT, l'on est volé sans cachette. Il n'y a pas qu'à marcher, circuler dans la zone, voir pour le demander la main d'une jeune fille, il n'y a pas comme ça. Et bien, qu'on y a là, ce sont les criminels, les voleurs qui mettent la danse. C'est vraiment intolérable, situation ça. Les situations présentées comme ça, tout le monde dit la police, la police. La police, c'est la plus petite entité de la chaîne de sécurité dans nos pays. Je toujours dit ça. Donc, lors la question de police, c'est d'abord les coordonnées pour CSPN, le Premier ministre, intérieur et justice, c'est vice-président CSPN, chef police, là, c'est secrétaire exécutif, ou registre de l'État en quatrième position. Donc maintenant, si ou pas la police accompagnement, ou pas le moyen, ou pas mettre la confiance, ou pas prendre le résultat au besoin, or situation est là tout, la police fait travail, l'armée d'Haïti. Situation guérilla ou ben ou bien là, c'est pas une situation de police liée, c'est une situation militaire. Mais malheureusement, la police a fait plus que ça, elle a fait. Il faut d'accomplir pour ça, c'est aux victimes, c'est aux mourir, etc. Donc ça veut dire que faut dire bravo pour vous. Malgré tout, vous avez bien. Tout est si je suis écrasé, tant bien que mal, c'est la police sans sécurité. Là, la cour continue là, la justice sans mourir. Donc malgré que la police est dans la situation, ça, c'est l'X sans sécurité debout. Alors même quoi que. Maïssa communal, il faut que tu as force ou tu as intégré dans ces SPL. Exactement. Là, exactement. Parce que Maïssa communal là. Bon, bah, ton petit bravo pour mettre Luc Mandelil. Gros bravo. Et je toujours dit ça. On n'a pas qu'à magistrat. Dans une commune, où c'est premier citoyen communal, commune, et mais pour être, pour croiser bras, pour dire la police ou besoin de sécurité, sur qui base.
Moi-même, prends le cas de magistrat Wilson jeudi. Ou pas qu'un magistrat Delma, ou qu'on gros commune, ou qu'on commune nous fait belle comme ça. Eh bien, pour quitter une équipe vagabond, voyou, nèg sale, absolument tout côté, sorti vin kidnapper mon Delma, ou supposé monter une brigade, une task force dans la commune ou, avec des agents secrets, vous comprenez? Comme si organisé dans la commune, non? Pour contrôler l'entrée et sortie qu'a fait dans la commune, non? Amenez yo! Amenez yo! Foutu faire mes os sous question de la route, et l'autre bagage fait dans la commune, non? Achetez zam, achetez balle! Ben jeune garçon pour fusiller criminel! Aïe aïe aïe, monsieur! Aïe aïe aïe, monsieur! Aïe aïe aïe! Ah, gagné un accident là maintenant. Ah non, un accident là, c'est grave. Un accident là. Un accident mauvais là, problème. Au niveau de ma machine, ça crase. Par contre, au niveau de ma crase. C'est grave, magadi plus. En tout cas, on continue. Et on a parlé de Haïti. Voilà. En fait, m'a dit nous que ou pas qu'à nos pays pour gagner de magistrat communal pour nos pays pour nous rester concerné croiser bras nous, nous compter sur la police seulement et puis nous gomme nous diriger. L'on est magistrat. Par exemple, son je dis même tout dit ça. Ou t'es élu, ou élu à plusieurs reprises. Ou supposé gagner un plan sécurité pour communion. Côté plan sécurité là. Qui stratégie sécurité, la situation là comme si on a tout dégénéré dans la commune pour là. Je dis là, faut que tout bagaille pas sous compte pouvoir central. Et puis on a touché dans l'état tout. Responsabilité, faut que nous prenions dans tout niveau qu'elle est. Moi, ça cause pays, ça son pays pour nous repenser avec des gens qui ont volonté pour faire pays. Ok? Qui remet pays. Son pays pour nous repenser. Là, on est comme ou ce maïs communal, faut qu'on ait une dimension pour qu'on prenne responsabilité. Ok? Et ça qui est là, je ne vais pas nous mentir. Si on est magistrat communal, on doit supposer camper. On doit supposer camper pour que vous réfléchissiez ou font une réévaluation de la situation qui a développé dans la commune. Parce que le pays est complètement gangsterisé. Et on doit supposer camper pour dire avec l'équipe, mais ça n'a fait, mais ça n'a fait, mais ça n'a fait. Vous comprenez? Ou je suis avec le commissaire police qui est dans la commune. Tout. Inspecteur police dans la commune, et bien je dis, monsieur, nous prenons monter task force, nous prenons des jeunes garçons, nous avons choisi des volontaires, mais pour nous faire bourrade. Sauf que nous avons équipé. Nous avons garantie que si toutefois nous avons équipé, nous avons assumé la responsabilité. Il faut que nous avons pris la responsabilité. Mettez-le en dedans de l'île encore. Mettez-le en dedans. Pas le moyen, ou pas mettre la confiance, ou pas le résultat au besoin. Or, situation est là tout. La police fait travail, l'armée d'Haïti. Situation guérilla à Ruben Ouyen là, ce n'est pas une situation de police liée, c'est une situation militaire. Mais malheureusement, la police a fait plus que ça dans le fait. Fond d'accomplir pour ça, c'est aux victimes, c'est aux mourir, etc. Donc ça veut dire que fond dit bravo pour eux. Malgré tout, ils ont été. Tout est situé écrasé. Tant bien que mal, c'est la police sans sécurité. Là, la cour continue là, la justice sans mourir. Donc, malgré que la police est dans la situation, ça, c'est l'île sans sécurité debout. Alors même quoi que. Maïssa communal, il faut faire une task force pour être intégré dans ces SPL. Non? Vu la situation qui est là, parce que Maïssa communal, là, la loi fait de lui comme premier citoyen, ville commune, il doit participer à la question de sécurité. Kazek, Azek, délégué, vice-délégué. Ce n'est pas changer délégué. Il y a des rumeurs qui disent qu'il y a changé délégué, vice-délégué. Pas de problème pour changer, mais changer pour faire qui ça. Si vous changez, il faut une mission spécifique. Comme c'est de sécurité n'a parlé, plat quotidien haïtien c'est sécurité. Il faut une mission spécifique pour travailler en chaîne de sécurité. Moun gonya là, magistrat, délégué, vice-délégué la question de gang, il y avait 4 yo, les fins screen. Mais ça qui propre, il faut que vous créez une task force pour avoir un juge, délégué, vice-délégué, Kazek, Azek et la police. Pour taper à une chaîne de solidarité, pour nous faire une chaîne d'information, pour nous capable bloquer la dérive. Et ensuite, la question de
de Merio, yo go rôle capital yo capable jouer la question de sécurité. Douane qui contrôle la douane, c'est l'État. Mais douane n'en sont pas soi. Et faut douane, douane faut participer dans la sécurité à tout. Et ensuite frontière yo, zam yo bien bal yo passer dans la clandestinité. Mais si on monte ta force ça avec Merio, avec ensemble de collectivités territoriales, je pense que ça au moins capable un résultat. Moi, je pense que si je suis dans l'opposition, ça, au moins, je pense qu'il faut tenir compte de lui, le pouvoir place. Si intégrer la collectivité territoriale, délégué visé les guillardes, je pense au moins ça travaille un résultat. Très bien. Et c'était Maître Luc Mandelil qui t'a intervenu dans le micro Radio Télé-Guinée, qui nous a trouvé qui est important pour qu'il nous défait autant. Mais qu'on a ça qui est important. Est-ce que ou capable la guerre la médaille craser gang Izoa, la fin craser gang Izoa et vous dire fini ou pas fini. La fin craser gang Izoa. Faut entendre ça. Entendez ça. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. On a parlé slow. Je ne vais pas aller vite. Moi, je m'en parle slow. Je ne vais pas les brutal. Mes amis, pièce par an, quel que soit côté nous, avant qu'un petit monde l'école. Je n'ai pas changé, attendez. Bataille a changé. Bataille a changé. Avant qu'un petit monde l'école. Et ça, c'est le chef de gang qui a parlé. Mais ça qui est important pour que nous connaissons, moi-même, ça qui est intéressé, moi, c'est que, tant que des gens qui sont rentrés, des jeunes garçons dans le mouvement gang, pareil pour tuer les gens, est-ce qu'on est capable de fonctionner avec les mêmes gens qui ont mis des gangs là, je dis même les gens qui ont des policiers, des militaires, des douyo, et puis c'est eux-mêmes qui ont mis des situations là, pour être capable de prendre le pouvoir. Et effectivement, ces situations-là qui vont au pouvoir. Est-ce qu'on peut finir tout, et tu m'as dit ça, pour eux, pour Ariel, pour André Michel, pour Nenel Kassi, parce que c'est Ariel qui est avec Vite l'homme, avec tout l'autre bandit pour te mettre nous là, et puis je dis on doit se trouver et pour quitter Ariel là. Nous avons besoin de 2 millions haïtiens qui pour retirer Ariel là sous toute forme. Nous clés sur ça. Nous avons besoin de 2 millions haïtiens qui pour retirer Ariel là. Ariel va arrêter là. Nous allons faire avec Ariel. Nous allons faire rien avec Ariel. Ariel sont perdus. Ariel sont. Ariel sont. Ariel va se contenter lui. Ariel a un job sale qu'il a fait. Il faut que nous fassions tout ça qu'on est capable pour nous retirer Ariel là. Là, ça n'a pas été, les gens qui sont responsables, les gens qui sont capables de tout, les gens qui ont une volonté. Vous comprenez? Pour que aider nous sortir là. Parce que nous avons des gens dans le pays. Même le Maître Lucman qui nous fait se faire nous entendre là. Et pas parce que comme si nous avons fait promotion pour que nous ayons Maître Lucman comme Premier ministre. Et moi, je pense que avec Maître Lucman comme Premier ministre et dans notre pays, hein, nous avons gagné. Et le commissaire Muscadin qui t'a monté comme ministre de justice, et bien, nous choisissons en considération avec tout l'autre haïtien qui est volonté. L'autre monde nous pense qu'il y a une crédibilité, l'autre monde qui est honnête. Et bien, nous choisissons l'autre ministre. Nous montons le cabinet ministériel là, et puis, il a été, nous organisons. Si c'est moi, 4 mois ça prend nous, pour nous trouver tout petit gang, il va y trouver pour nous trouver tout. Parce qu'au niveau de l'opinion, nous ne pouvons pas réparer, nous ne pouvons pas faire avec, nous ne pouvons pas collaborer avec. Vous comprenez? Et c'est mourir pour mourir, mais pour mourir tout. Ou pas trouver, ou pas trouver Iso pour quitter Nel Kassi. Ou pas trouver l'homme sans jour pour quitter Anel Blizzard, pour quitter Onicole. Non, il va falloir pas faire. Ou pas parler de Katsima Ozo, ou pas aider Pasteur Foch, Pasteur Gérald Bataille, ou parler de Onicole, ou pas aider Coalition d'Assassins. C'est-à-dire que l'autre est ça, il faut tout réfléchir avec comment on va trouver l'autre ça. C'est tout qui peut mourir. Vous comprenez tout qui peut mourir. Parce que l'homme ne s'est pas réfléchi mal depuis longtemps. Ou toujours quitter tête ça là. A réfléchir toujours, a toujours pas mal là. Parce que vous pas jamais suspendre, réfléchir mal. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que je dis, il faut que nous connaissions un acte de Edouard Bossin. Il faut qu'Haïtien assume la responsabilité. Pour pas nous Edouard Bossin sous des chaises. Parce que les pas haïtiens, les pas pays, ils ont tout nous. Sans quitter la fête là. Si vous avez tout le pays, pas de problème. Sauf que faut que marcher pour elle. Il faut qu'Haïtien commence à désolidariser avec le criminel. Retirer l'argent qui est dans le compte en banque, qui est dans une banque, qui est dans une banque. Et puis, pour nous faciliter l'autre haïtien qui est dans la diaspora, vienne. Montrer des banques dans le pays, pour Haïti collaborer ensemble avec eux, pour nous faciliter. Parce qu'il faut que nous ayons une banque par nous, avec Haïtiens qui ont cœur, qui remet Haïti. Il faut que nous fassions. Parce que nous ne sommes pas dans le pays, maintenant.
c'est pas mes paysans. Je dis à mes hommes qui sont mes paysans. Je vais collaborer à voler. Je ne vais pas la voler. Je ne vais pas tout le temps m'appeler dans un micro. Je vais critiquer. Non, il faut que nous venions pour nous battre bravo pour des dirigeants qui prennent des décisions normales pour les paysans. Vous comprenez? Des dirigeants qui ont bien travaillé pour les paysans. Il faut que nous venions pour nous battre bravo pour. Il faut que nous venions là pour faire promotion pour Belle Plage, nous. Pour Jacques Mel, Belle Plage qui est Jacques Mel. Faut que invite diaspora et venir acheter terre dans zone Jacques Mel pour venir construire Belle Plage, venir faire bel hôtel. Faut que faire ça. Mais qui le m'a fait? Le pays va gagner sécurité. Moun ki insécurité a c'est même qui au pouvoir. C'est difficile. C'est difficile. Ça veut dire que nous devons goumen en tant que haïtiens, nous devons goumen parce que je dis à nous louer en pile, nous louer en pile. Pas avec situation qui a développé là, nous louer en pile mais faut que nous bataille pour nous retirer tête nous là. Faut que nous vraiment bataille pour nous retirer tête nous là. Gagne une femme dans le gouvernement Ariel là. Manzè son volo, son chef de gang, son assassin. Mais les colonies ont un assassin qui a assassiné le caractère Jovenel Moïse en 2019 qui est conscient de ça je dis. Même pas problème de mon conscient ba ou là avec. Monsieur le Oudi. M'a pas menti, mais c'est pas la rose mi la petit frère. Je me la petit frère qui était allié lui en 2019. Qui est allé en 2021, le fin tout le président, et je dis là, il y a un problème. Il faut entendre que Jean Kéoudi a foué deux pieds, a frappé très fort, a frappé Rosemilla très fort. Il faut entendre ça, parce que c'est important. Oui, tout le monde entendre. Parce que la criminalité a eu un problème. C'est à travers comme si nous avons un problème que la criminalité a gagné. Nous même avons dit que la vérité, vous entendez non? Non. Ça fait tout le monde pour le pouvoir. Non, on dit non. Comme c'est quoi qu'on occupe le pouvoir, c'est vous qui avez le pouvoir. Non. Ça fait tout vous pour le pouvoir. Non, vous dites non. Vous pouvez parler de l'Abdila? Vous pouvez parler de ça? Moun qui va conseiller ça? Moun ça fout tout mauvais conseil. Mais quittez le sable au tribunal. Moun ça fout tout mauvais conseil. Moun qui veut venir sur le bien là. Y'a pas tous ces chiens là, j'aime mieux. Tout à l'heure, nous avons le temps de. Eh bien, moun. Bon, si oui. T'as l'heure, pas mon petit chance. Pas au lieu Louis, papa. Vous dites ça, non. Vous dites ça, non, elle est. Son bon chien enragé, à vrai. Il s'est dit son chien enragé. Et puis c'est approuvé aux mille petits frères son chien enragé, vous voyez. Vous dites ça, non? Voilà, on donne de ça. Et moi-même, je vais courir pour vous, ou trop pour vous. Ou trop pour vous, grandement. Je vais vous dire que c'est l'autre salle. Et qui a fait courir, je vais vous dire. Et. Comme d'habitude, je vole les bagailles. Et je vais vous dire que je vole comme l'État. Et pour faire richesse personnelle, c'est volé. Tout volé, c'est volé. Et. Nous parlons de tribunal. Pas que vous avez volé avec ça, non? Nous parlons de tribunal. Nous avons volé mon côté. Vin négocier pour vous. Et puis en même temps, on a volé papier. Et. On allait. Je n'ai pas entendu Osmia assez radio pour radio appeler 50 millions de gouttes. Hein? Ou un bagage téléphone. Je ne sais pas. Quand je me suis dit tout le monde a volé même avec lui, tout le monde a kidnappé même avec lui. Pas volé. Mon compère. Est-ce que c'est volé lié? Et bien, on va plus papier pour moi. Et volé, je me suis dit. Et bon, comment ça va monter nos cas, je me suis gagné la haine là? Parce que moi-même, si c'est pas ça, je me bataille. Parce que où tu veux le monde qui est côté moi? Je suis venu à la maison de la miade depuis que je n'ai pas parlé de où. Je parle maintenant qu'on a eu de l'eau ici, je viens de où nous trouvons 50 millions de gouttes de ma vie. Je ne sais pas comment mon ami quoi là. C'est parce que c'est la radio amie. Si son ami sont là, je ne fais rien, je ne vais pas mettre le tribunal là. Non, mais le tribunal n'a pas été le juge à parler de mon boutage. Non, il va dans le bureau, juge là. Il va dans le bureau. Radio est bonne volée, radio est bonne kidnapping, et c'est radio est bonne. Il y a comme une plaque machine, mais on met plaque machine et vol. Ou bien on va faire avec pile plaque en d'un. T'en l'eau sur la volée. Est-ce que vous voulez qu'elle a pour moi? Parce que quand je vais me caser, mettez la chose, mais c'est la boule dans mon lac, mais ma plaque est dans mon doigt tout.
mettez la deuxième là là et tout le monde ouvre moi et on bouge d'ici là on donne oui mes amis on a toujours gagné pour 300 000 dollars dans le magasin là ou craser ou Eiffel pour faire radio télévision voilà c'est petit pays à côté de comme ça quand on comme ça tout le monde l'a volé même avant tout le monde l'a kidnappé même avant qu'on a la loi demandé pour la loi de 50 millions de dollars nous l'a volé nous l'a fait kidnapper il y a deux personnes qui doivent être en volé ou il y a deux personnes qui doivent être en volé kidnapper moi je vais prendre 50 millions de dollars ou de baguette regardez comme pas rentrer à un moment là-bas il y a une comment on fait une vie? Non, parce qu'on ne peut pas rentrer dans le micro. Est-ce qu'on lit le document? Pas besoin de lire. On a un salon. On a vieux Osmi, il y a une salle. On a quelqu'un qui a fait la radio Ibo. Et moi, si nous avons un kidnapping, nous avons fait notre bon chéri avec ma chine, on a pas qu'à taquer dedans. Mais on ne peut pas faire devant Jija. Où est-ce qu'on est dans le pot? Je ne sais pas si tu as fait le travail. Qui l'a dit comme ça là? Comme ça que Washi Canada m'a quand même là. Qui l'a dit que ça? T'as une belle ville, ma ville est autour. Ma ville est à Kabevi, ma ville est à Kavivi. Ma ville est toute une ville montée là. Qui l'a dit comme ça? Quand on a tellement senti le pouvoir, Ariel bon pouvoir, et Coco bon pouvoir. Rétez! Ah ouais? Non, on va pas aller, ma mère. On va aller, mais carrément. Non, on va aller. Ouais, mais carrément, on va aller. Regardez, vous dites, sous pas tempéré, attendez. Sous pas calme. Écoute. Sous pas calme pour dire, soit dire, moi, bralé. Pour répondre devant tribunal première instance Port-au-Prince. Qu'on y a ces avocats ou qui pral décider qui pral décider dans 3 jours France yo pour le dire qui est qui joue la prend pour le répondre dans 3 jours France pour l'accompagner comme c'est ou même baron et si et directeur après la raison mais la sacré radio tu pour c'est comme baron est s'il bralé ou bien s'il a voyé avocat représenter ou même ou dou bralé pour bralé OK mais qu'on y a faut un avocat qui dit dans 3 jours France yo parce qu'il a un délai de vol la préparer dossier pour aller dans tribunal maintenant yo gétan dit mais qui ça au mandé c'est 50 millions de gourdes. Qui est-ce qui est là, là, papa? Mais ça, le là. Qui est là? Qui est là, Jumia, pour tout le quand elle fait là, l'homme, un an. L'homme, est-ce que c'est moi? Qui est là, mon cher? Ah, il m'inquiète là ou bien, Kaila? Oh, tu m'inquiètes ça. Il m'a dit, ma bande. Tu m'inquiètes ça, l'écraser est fait. L'endemain, elle a fait la télévision. L'écraser est fait. C'est pour le dire, est-ce que c'est quoi de venir là, ça? C'est quoi? C'est quoi de venir? Qui est-ce qui t'a fait comme ça? Comme ça, c'est pour dire qu'il a été fait. Quand l'État, quand le monde a été fait comme ça. Ok, directeur a dit là, voilà. Au bout de deux. Comment je parle là? On s'en représente à l'imdibinam d'Akoui. Eh ben, où, grand monde? On peut dire oui, qu'on y a des besoins qu'on a. Si patron a là, oui. Il dit là pour répondre. Moi pense ou dit dossier ça son un dossier
pour nous gérer avec un pile sérénité. Je vais mettre tête sous belle tout. Je vais mettre tête sous belle. En pile sérénité. Parlez pas, on l'a comme si on est là, c'est gros mot. Alors que on t'a pris n'importe 30 à 45 minutes pour bien laguer là, pour expliquer auditoire là, mais qui ça bagaille là. On est là, on est vie, normal. Normal. Ou mal tombé. Ketia, et Paul, oui, et ordinateur Paul là qui gagne les problèmes. Ou mal tombé, Osmila. Mal tombé. Ouais, ça passe, on passe au cache tout le monde. Comme bon, ben tira de tête et la radio. Qu'on va t'acheter fou et la poche là. Qu'on passe au cache tout le monde. Ketia. Ouais, quoi. C'est bouton Paul là qui off. Il dégage au ouvel. Quoi, pour gagner, c'est le groupe et gang. C'est pour payer mon dit Jean habitué fait déjà comme vous rien on va chercher toute caille là-bas dans le bus comment on va ça comment on va chercher depuis ces caille là-bas dans le bus on a volé nous va venir dans nous on a volé la dans l'état ou on va la service pour moi on va marcher avec on va marcher par jeune garçon l'argent et vous pouvez avoir tout j'étais grand monde. Mais ça pas gado. Ça pas gado. Non. On va régler on va régler. On va ça est fait. Le Canada les côté bagarre elle fait. Avec tout côté. On va venir mettre des corps là. Non, on exagère. Avec tout côté. Tu exagères. Non, pas exagérer. Donc avec mon pari. Non mais attendez, ça c'est vie privée Canada. Ça c'est vie privée maintenant, ça fait comme pari. Non, oui, vie privée. OK. Sur le temps on peut plus conversation on foutre sur pas. Voilà, on est même pas venu. Tellement pas plus conversation on blague, on blague là. Bon, on y a même pep Facebook là tout ça la putain. Trop bien là. Tellement pas plus conversation on blague, on blague sur pas là. Ça va pas mettre mon dos. On compte pep Facebook tant que tia il tripote. On y a le temps de voir. Oh, Razmen. Passons. Quand on a bon monsieur pour avril, pour ce avril, là, il y a une fille. Michel François. J'en passe. Bon monde, ça va être. Bon monde, ça va être. Quand on a mis une petite salope sur la carrière, il y a une femme radio. Il y a une radio à 3 jours pour la radio. Il peut être dédommagé 50 millions de gouttes. Si on va pas 50 millions de gouttes. Mais comme. Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Quand on a m'a parlé de tout bon. C'est pour tout bon qu'on a m'a parlé de vous. Et m'a sous belé, moi tout ça clé, m'a sous belé. Belé c'est basse milieu. Où est-ce que c'est belé, pas basse moi? Ça gué belé. Belé c'est basse rose mille à tout. Oh, eh ben. Ah ouais, m'a sous belé. Non, m'a pas comprendre. Ah. Et basse rose. Parce que comme ça, rien m'a sous belé. Soit fait dans belé. Soit le fait dans belé. Au moins, m'a changé les amis dans belé. Non, on dit Bazou. Oui, Bazou. Cherchez les amis dans Belle. Eh bien, les amis Belle. Oui, mais les amis ne pas faire un bagage. Ah. Qu'est-ce qu'il faut parler pour le peuple à comprendre? Ah, on l'a parlé. Même gouvernement est là pour vous. Vous ne trouvez pas trop comme vous, vous êtes riche trop vite. Pas mon homme de primature pour l'amour pour vous. Pas mon volé. Ou même on dans votre bail. Pas mon homme de primature pour l'amour pour vous pour voler. Pour chaque. Tellement vous m'y a volé. Vous m'y a petit frère. Tellement volé. Mon homme de primature pour l'amour pour vous. Ou tellement faire un assainissement. Vous m'achetez beaucoup comme ça, vous achetez qu'à l'heure pour le presse. Ou watch mon calendrier, ma calendrier, la menu là, ou craser, ou refaire le mosquée 4 mois.
On va chercher matériel, on met tout, tout le monde qui gagne pour faire caille. Quand on est comme ça, qui m'a dit ça, on va y de troisième division. Et ma histoire, ou pas ma histoire, ni pas au poste de Petroville. Gagne premier, gagne deuxième, gagne troisième. On va y de troisième division. Mais son football, son équipe. Son équipe. Comment on va comme ça? Comment on va comprendre? Qui on va comme ça? Comment je fais richesse dans tout le monde là? À ma chasse, c'est quand on a un de Vivi Michel. On a un calendrier de ma quarantaine là. Et on crase l'OFL pour faire la télévision. Comment on fait comme ça? Mais je suis bien content. Je suis bien content de voir juge là. Je suis bien content. Je suis bien content. Et puis, Marc, nous n'avons pas fait de l'homme pour faire kidnapping là. On a tout expliqué que nous pile plaque ça, on connaît nous venions. Qui t'en de machine web ou pas fait de là? Pour marcher faire kidnapping pour le Paropès. C'est quoi le kidnapping qui a bâti Kaysa? Quand on marche sur le Paropès, c'est là qu'il y a kidnapping ou bien là l'État? Moun qui t'a parlé là, l'Irie le Woudi, ça non. C'est allié sûr de Pierre Espérance. Ses amis Timothée Roni, Nek Belé. L'aile joue le gain information sur Rosemi la petite frère. Ça veut dire que moi, je suis confirmé. Information de Baoua, Banou. Pour les gens qui me disent, Rosemi la petit frère, c'est lui même qui a géré gang Kempes là, sous Belé. Vous avez 25 millions de gouttes pour Baou, ou Banou 3 jours? Non. Et même si je fais Fedel, je fais kidnapping, même si je fais un problème Baou. Comme vous avez fait Fedel, je fais un kidnapping, je fais un problème Fedel là. Pour me faire kidnapping, même si je fais un problème Baou. Maman chienne, à propos de la vie. Très bien. C'était Woudi Sanon. Mes amis, ce qui est important pour nous, nous-mêmes dans InfoBeto, c'est de comprendre effectivement ce qui a passé dans le pays. Kidnapping, qu'est-ce qu'il a fait? Le ou est-ce qu'il a kidnappé Delma? Tenez bien. Rosemi la petit frère, ancien magistrat à Kaé, ou magistrat, tout le monde a un salaire de magistrat. Ariel avec l'équipe Lien et puis nous-mêmes, nous finissons tout le président Jovenel Moïse. Nous prenons pouvoir dans moins que 20 mois où vous avez acheté plusieurs cailles Belleville, vous avez construit gros cailles Vu Michel, vous avez acheté un cailles dans le 41 pour 300 000 dollars américains, vous avez crasé le plat, vous avez construit. Quand vous avez comme ça, quand vous avez comme ça, et vous avez compris que le kidnapping n'a pas pile monde là-dedans, le kidnapping n'a pas pile monde là-dedans, et de fait, il faut que le pays connaisse la quantité de monde qui est dans le kidnapping. La République, peuple haïtien, haïtien frère, nous sommes demandé quoi à l'extérieur du pays. Restez connecté avec la plateforme YouTube InfoBeto, c'est là où vous avez toute information, c'est là où vous avez une parole là, Jean-Claude Connel, c'est là où vous avez toute vérité sur ce qui s'est passé dans la Coupe d'Haïti. Nous en pile, c'est un plaisir pour nous d'avoir nous. Restez connecté avec la plateforme ça. Partagez, commentez, like, émission. Abonnez si nous pouvons abonner. Pressez faire ça. Kébé là, à bientôt, c'est un plaisir pour nous d'avoir nous. InfoBeto.